Hi, c'est Zafran de Critics on Films. Le sujet de notre vidéo est un peu différent aujourd'hui. Je vais parler de quelque chose qui fait partie de l'ADN de Critics on Films et de Film Impact et qui façonne tout ce que nous faisons. Il s'agit de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Plus particulièrement, je vais vous parler en tant que productrice à impact à Creative Some Films de la RSE et les petites entreprises de la Caraïbe. Tout d'abord, juste un mot sur la RSE, qu'est-ce que c'est? Alors, les entreprises qui ont une démarche RSE cherchent à avoir un impact positif dans la société. Donc, ce sont des entreprises qui vont volontairement intégrer des questions sociales et environnementales dans leurs activités commerciales et dans leurs relations avec les différentes parties prenantes comme leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires, par exemple. Donc, maintenant, pourquoi je vous parle de la responsabilité sociétale des petites entreprises de la Caraïbe? Premièrement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à Creative Sound Films. Et deuxièmement, la recherche montre que dans la région Caraïbe, les TPE et les PME ont un niveau de RSE beaucoup plus faible que les grandes entreprises, même si elles sont tout autant concernées par la question. Nous sommes des milliers d'entreprises à évoluer dans cette zone qui est riche, mais aussi vulnérable. Et je crois que la question de l'environnement est particulièrement pertinente. Les phénomènes climatiques des dernières années nous ont démontré que plus que jamais, la Caraïbe est une zone à haut risque. Et lorsque nos îles sont frappées par des phénomènes comme les ouragans ou les tremblements de terre, eh bien, les petites entreprises sont les premières à disparaître. Donc certes, la RSE ne se réduit pas à la seule question environnementale, mais en tant qu'entreprise caribéenne, face aux défis de nos territoires insulaires, nous devons nous poser des questions. Quel positionnement devons-nous adopter? Comment assurer la pérennité de nos petites entreprises? Pouvons-nous changer les choses et renforcer la résilience de nos îles caribéennes et de notre région? Et je dis oui. On croit souvent à tort que la responsabilité sociétale, c'est une affaire de grandes entreprises, que ça demande des mesures coûteuses ou que ce sont plutôt des jeunes qui aiment mettre en place ce genre de choses. Et ça, c'est faux. Faux et faux. Une TPE ou une PME a mille et une possibilités à son échelle pour montrer sa responsabilité sociétale. Je vous donne un exemple. Notre société Creative Sound Films est une petite entreprise caribéenne. Lorsque nous avons créé l'entreprise, nous avons réfléchi aux valeurs qu'elle allait incarner et comment ces valeurs pouvaient se refléter dans le travail que nous faisons, dans nos relations avec nos parties prenantes et dans notre relation avec l'environnement. Nous faisons donc le choix, par exemple, d'aller vers une production audiovisuelle éco-efficace. Nous travaillons à conserver une empreinte carbone minimale. Nous travaillons aussi en petite équipe avec du personnel qui est formé sur plusieurs postes. Nous utilisons aussi des techniques et des matériels plus respectueux de l'environnement. Par exemple, nous utilisons autant que possible la lumière naturelle et quand ce n'est pas possible, on utilise LED moins énergivore. Et lorsque nous voyageons pour faire des films, nous utilisons des transports en public autant que possible. Nous voudrions aussi que notre travail reflète notre engagement. Donc, nous faisons le choix de travailler avec des acteurs dans tous les secteurs qui cherchent eux aussi à avoir un impact positif sur le monde. Nous croyons également qu'il est important de redonner à nos communautés. Donc, nous investissons ou nous réinvestissons une partie de nos commissions pour produire des films documentaires à impact social. Et nous lions des partenariats avec des organisations, des collectifs, des individus pour les aider à raconter leur histoire. Et grâce à la production du film et à nos campagnes d'impact, nous participons activement à l'impact que eux aussi ils ont. Donc voilà quelques exemples de notre démarche RSE à Creative Sound Films. Nous voulons changer le monde à notre échelle et nous voulons utiliser le film pour aider ceux qui veulent changer le monde. Si vous êtes une petite entreprise, est-ce que vous avez déjà réfléchi à une démarche de responsabilité sociétale et comment est-ce que vous la mettez en œuvre? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous et partagez-la. À la prochaine!